Comment naissent les légendes? Des histoires racontées dans des bars à l'autre bout du monde ou en bas de chez soi. Des souvenirs aussi, j'imagine. J'avais 17 ans à l'époque. Je connaissais déjà César. C'était un pote, mais sans plus. Sandy? Non, je le connaissais pas. Mais je pouvais pas l'encadrer. On le disait prétentieux et opportuniste. Qu'est-ce que les gens peuvent raconter comme conneries? Je les ai rencontrés à l'Urban Plan, en 2011. 2011, merde. Ça nous rajeunit pas. C'est là que tout a commencé. Tellement de motivation, d'abnégation, de sympathie chez ces deux mecs-là, j'ai vite réalisé que je voulais évoluer à leur côté. Dans les mois et les années qui suivirent ce mois d'avril 2011, nous gravions nos noms dans l'histoire de ce sport. C'était il y a 15 ans de ça, et je m'en souviens comme si c'était hier.